Et bonjour tout le monde, salut, c'est Majak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Gear of War 2. C'est parti, juste après l'intro. Let's go! Alors, on en était où? On en était qu'on avait réussi à éclater un espèce de brumac au. Ou quoi, au mortier. Et on était arrivé ici, juste là, voilà, et on prend tout de suite dans le feu de l'action. Je me suis fait péter ou quoi? Monte pas sur mon camion, toi. Ça va, mais combien il lui en faut à lui là? Bah, t'as vu où il est passé le machin? N'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, ils ont réussi à m'envoyer un obus. Ils ont réussi à m'envoyer un obus en passant par là, quoi. Il y a des fois, les jeux, c'est n'importe quoi. Et là, j'ai envie de dire une phrase qui est culte maintenant dans le cinéma. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Je crois que la situation s'y prête bien. Je vais le retenir, les gars! Ramenez vos culs ici! Marcus, on te bat tête! Putain, c'est bloqué!
Putain de merde. Si Cole dégueulait dans les faucons, là, il a dû redécorer les murs. Eh ben, c'est à ça que ça ressemble, les entrailles. Taille, ici Marcus, tu me reçois? Taille! Dizzy! Dizzy, t'es là? Oh, merde! Contrôle, ici Delta, vous me recevez? Ici Alpha 1, on a perdu le contact avec la surface. Notre couverture radio est faible, mais on a un tuyau sur un SMR. Bien reçu, Alpha. Bonne chasse. Sergent, vous m'entendez? Carmine, où est-ce que t'es? Je sais pas. Je crois que ma drill a dévié de sa trajectoire. Tide, t'es avec toi? Non, il a sauté avant le lancement. Mais je vois une autre drill droit devant. Ok, rejoins-la. On se retrouvera plus tard. Et n'engage pas l'ennemi. Défends juste ta position. Bien reçu. Souhaitez-moi bonne chance. Tiens bon, petit. On va bientôt arriver. Bon, il faut retrouver Carmine. Dom, on se sépare. Ça ira plus vite. Allez, mon Dom, choisis ton chemin. On se sépare, c'est bien, mais on se sépare quoi? Ça n'est... Alors, attends. Hop, 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 hop. T'as vu qu'il y a un, escalier, là? Je crois que j'ai peut-être jamais pris ce passage. Qui est curieux. Delta, ici contrôle. Alpha 1 a rétabli la liaison avec la surface. Bonne nouvelle, contrôle. Et surveillez les plafonds, Delta. D'autres drills risquent d'arriver au-dessus de vous. Bien compris. Ty et Lizzie, on refait surface. Désolé, Marcus. La zone de forage ne répond plus. Je retente ma chance. Oh, et Marcus, faites attention à vous, ok? Ouais. Merci, Anya. Delta terminé. Promis, je suis jamais passé par là. Monsieur le caporal Stratton, d'Alpha 7, on est dans les entrailles. Jace, ici Delta. Content que tu sois là. Bonne chance. Toi aussi, Marcus. Terminé. Je pensais même pas qu'il y avait différents chemins, en fait. Je sais qu'il y a... Bon, il y a toujours différents chemins, mais... Je crois que je suis toujours parti par la gauche. J'ai aucun souvenir d'être d'avoir choisi cette échelle, ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Et je suis revenu au point de... Ok, je comprends mieux. Bah écoute... Bah, c'est par là, du coup, hein. Comme quoi, des fois, il faut suivre son instinct. Ouais, et que le chemin le plus simple et le plus court est souvent le meilleur. Même si là, on est dans la merde. Ah, mais il faut prendre le pont de toute façon. C'est que cette merde, il y a deux chemins, je vais encore me planter. J'ai rien compris là. Oh merde! Oh merde! Ils sont tous morts!
Gare à l'explosion! Ah, les combats sont prenants dans le jeu, hein. C'est ça qui est génial. Hein. Les combats sont très prenants en plus. En tout cas, vous l'avez compris, moi je suis un fan absolu de ce Gears of War et de toute la licence de toute façon. Même si j'ai lâché un petit peu à partir du 3, hein, je l'ai fait vraiment vite fait mais sans plus. J'ai pas encore le 4, mais comme il est sur le Game Pass, j'ai bien l'intention de vous le proposer. Bien joué. Et le 5 bien sûr, dont j'ai entendu le plus grand bien. Et lui aussi sera fait en let's play, vous inquiétez pas pour ça. On va s'enfoncer dans les entrailles. Les cartes spéléo montrent un accès direct à environ 30 mètres devant vous. Ce qui veut dire qu'on a quelques heures de Gears of War devant nous, hein, je vous le dis. Si on se servait de la drill. Je crois bien qu'elle est foutue. Jack, où est-ce que tu peux faire? Ça c'est bouché. Mauvais choix. Là, comment il me parle cet enculé de Carmine. Je te rappelle que... Voilà. En fait, c'est ce que je voulais faire au départ, mais bon. J'ai fait des mauvais choix. D'après Jack, la drille devrait fonctionner maintenant. C'est parfait. Allez les gars. On va essayer de la pousser. Alors, vous allez me demander pourquoi je joue pas avec le Chaos Max. Simplement parce que je trouve que cette arme est complètement à chier. Elle est semi-auto et franchement... Merde, elle est pas ouf quoi. Vous savez que les casques ont un système de filtrage, hein. Si vous en portez un, vous n'auriez pas à retirer un sujet. Ouais. Mais question repérage de sniper, c'est pas le top. Ennemi. Ici Omega 1, on va plus résister très longtemps. Allez Delta, on descend. Ici Alpha 7, Locus te repérer. Demandons de l'aide. Voilà, allumez-les les gars. Allez.
on bouge. Gamma 3, on est déployé. Normalement ici il y a des trucs à récupérer, plus des balles, non, hein. Non. Plus des greux. Ma mémoire défaille. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Alors, je me rappelle plus ou quoi? On se parle. Ah si, mec, il y en a un peu ici. Tu tirais, Dom. On va pas, viens par là. Ah, j'ai perdu une grenade comme un con. Delta, ici contrôle. Vous me recevez toujours? Affirmative, contrôle. Ça va, mais il y a des parasites. Nos scopes détectent une violente activité sismique sous Ilima City. Je vous suggère d'aller voir ce qui se passe dès que vous le pourrez. Reçu, contrôle. Vous pouvez y jeter un œil. Merci, Delta. Et Dom, à propos de Maria. Ouais. On vient de m'informer que plusieurs camps de parias ont récemment été attaqués. Et une partie de leur population s'est réfugiée dans les souterrains. Bon, allez, on sort. Je suis pas sûr que vous voyez grand chose là sur le... Si. Cet endroit est plutôt instable. Ouais, t'as raison. Alors avançons. C'est quoi ces trucs qui brillent? Tu me prends pour qui? Un putain de botaniste? C'est rien, on sort de plan. Un putain de botaniste. Le réflexe du coup de crosse, hein, franchement. Ça, ça sauve la vie. Cool. Le mange-pierre. Sur ce truc, on dirait un gros serpent ou un ver en pierre.
D'après nos infos, c'est un animal souterrain appelé ver de pierre. On ignore s'ils sont dangereux, mais on sait qu'ils se nourrissent de plantes. Dès qu'ils brillent ? Oui. Il semblerait qu'il s'agisse de leur principale source de nourriture. On nous a aussi signalé qu'ils étaient presque indestructibles. Apparemment, les balles ne leur font rien. Elle a raison. Cette bestiole a même pas l'air de broncher. Je sais qu'on va s'en servir comme protection. J'en sais rien, j'espère. Taille est aussi coriace qu'un brumac. S'il y a quelqu'un qui peut s'en sortir, c'est bien lui. Et au fait, c'était qui le gros bourrin locuste de l'autre coup ? Cet enfoiré a carrément découpé un tank. Ça doit être le gros caïd de chez eux. Le gros caïd de chez eux. Peut-être. Mais Ram, à côté de lui, c'était un vrai guignol. La rame, on l'a défoncé dans le 1, je tiens à vous le signaler, les gars. Je sais que t'as faim, gros, mais. Ram, c'était le caïd du premier qu'on a défoncé dans le train, le dernier boss. En haut. Toi et le bleu à droite. Moi je prends le chemin à gauche. Ok. Et ça va chercher le truc à bouffer. Plutôt utile le ver de pierre. Planquez-vous. Je vais te crever, moi. Ça, c'est une sorte d'entrée. À tous les coups, la base est logée plus bas. Ouais. Vous croyez vraiment qu'on reverra la surface un jour ? Ouais. Mais oui, on va la revoir la surface. Bien, petit. Cool. J'espère revoir la surface. Moi, je sais qu'on va la revoir, mais t'imagines quand tu descends là ? Et tu te dis, mais jamais on va remonter. Un truc de ouf. En tout cas, ce petit ver de pierre nous a été bien utile pour nous planquer et exploser ces putains de larves. Et c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. L'activité sismique gagne en intensité, Delta. Vous avez repéré quelque chose ? Toujours rien, mais on vous tient au jus. Delta terminé.
Je suis le roi, le roi du lancer de grenade, moi. Carmine, il y a peut-être des snipers dans les parages, gaffe. Il y a des snipers dans les parages. Et voilà. Fais ton boulot, Carmine, et dégomme-le là. M'oblige pas à prendre le snipe et à faire le boulot moi-même. Oh, merci. Petit suis. Tu cherches les coups ? Il a pas pris son headshot l'autre. Voilà. Oh, il a un casque ou quoi? Quand t'arrives pas à faire le rechargement rechargement éclair, c'est une tannée, hein. Ciao. Redonne-moi mon pompe, voilà. Ah oui, putain, je suis obligé de reprendre un snipe, j'avais oublié ça. Je sais pas où il est l'autre là. Ah, tu me diras où il est parce que... Se sépare. Couvrez les deux chemins. Je me rappelle plus vraiment où sont les autres snipes, mais bon. Gaffe au flanc, Delta. Marcus, vise en bas. Pareil pour du tir au pigeon, les gars. Et d'un. Et de deux. Et trois. Et quatre. Hey, il compte, hein. Marcus, il est ouf, fait 5 ventes d'enculés. Putain, bien joué.
Je me rappelais pas qui comptait. Ah ça elle m'en rappelle par contre. Oh il a pas sauté l'autre. N'importe quoi. J'ai fail. Ah oh, putain. Je voulais absolument le péter. Et ça, c'est un gros défaut, ça. Tu vas absolument aller jusqu'au bout et tu te fais péter. Aïe, 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 aïe. Planquez-vous! Je suis à sec. Oh. Des munitions. Ouais, je sais qu'il y a un truc à récupérer. Ah bah. Dame, ah. Regarde. Ça rêvait mieux. Voilà. À la porte. Je suis à sec. Découvreur. Déjà des greux, voilà, ça c'est intéressant. Super. À 35, on va continuer un petit peu. Allez, ça j'aime pas. Par contre, je vais prendre ça. J'aimerais bien vous emmener jusqu'au boss là, de cette partie là. Ça risque de faire un petit peu long par contre sur la. Sur la vidéo. On se fait toujours emmerder par ses voisins ou proches. Bien raison, Marcus. D'autres drilles sont en approche. Bien. Contrôle Alpha 2 au rapport. Déploiement terminé. Alpha 2, ici Delta.
On est trop profond pour contacter la surface. Bien reçu. On commence notre mission. Terminé. Delta, on est attaqué par des mortiers. On va les dégommer de là où on est. Mais Dom, t'étais dessus, connard. Mais oui, mais t'étais dessus, connard. Ah, oh, vous en aviez. Ouais. Ils en ont buté un. Hein. Et j'ai buté tout le reste, putain. Avec Alpha 1. Terminé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est la merde. Je crois qu'on a trouvé une activité sismique. Contrôle, ici Delta. Contrôle, vous me recevez? Contrôle! Oh. On est trop bas. Et sur ce, mes amis, allons-y. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir de mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez de ce Gears of War 2. De vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. D'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos sur Gears of War ou sur les autres let's play qui sont actuellement en cours sur la chaîne. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, bisous, bisous. Bye, bye.